Où est Emilio? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Alors, quelle est la situation au palais? À vrai dire, c'est délicat. Mocenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain, de faire des suggestions. Mais ce n'est pas ma voix qu'il écoute. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intime. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Carlo? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flacorneur. Un quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte! Dois-je continuer? Bastardo! Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au palais. Oh, parce que moi je suis mieux loti. Oui, vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le Doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. Vous avez fini? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Continuons. C'est encore loin? Vous allez cesser vos jérémiades? Bonjour, mon cousin. Signor Carlo? Emilio n'est pas avec vous? Emilio est mort. Quoi? Comment? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment? Silvio, vous ne le saviez pas? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non. Nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt. Il a fait le voyage? De Rome? C'est ce qu'on dit. Bien. Peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos, cousin? Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira l'habit du Doge, cousin. J'ignorais qu'il y eût la matière à décision. Le choix me paraît pourtant tout indiqué. Tout indiqué, oui. Ce sera forcément celui qui a organisé toute opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, mes amis. Voyez, tout cela est inutile. Et puis ce n'est pas vous qui décidez. Par ailleurs... Il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir?
Oui. Signori, il faudrait avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il coûté? Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère loquace. J'en ai assez de vos querelles ineptes! Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. Ma décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci! C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi. Vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Venez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais... il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Bien, et qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ah, va bene. Bene. Alors c'est décidé. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence.